this is it. Kemel Dildberg. Kemel qui vient de caramel, Anschleu qui veut dire caramelum, et Berg qui vient du film bien connu de Bienvenue chez les Ch'tis, et Vec qui veut dire Vec voir si j'y suis, parce que j'y suis pas là pour l'instant. Ce qui veut donc dire en Ch'ti, j'ai un caramel mais faut que j'y aille. Sérieux? Non. Kemel Berg. C'est vraiment dégueulasse. Monsieur Kemelberg, bonsoir, est-ce que vous pouvez témoigner de ce que vous avez rencontré aujourd'hui dans le bois de la hutte? Oui. Je me baladais dans les sous-bois et j'ai vu des soucoupes volantes arriver sur deux jeunes. Nous allons remonter. Mais là, nous rencontrons Monsieur Trouteball, paysan du coin. Madame! Madame, c'est Monsieur Trouteball! Viens là, plus vite, madame. Oh, c'est chez moi, je suis né, mon grand-père y est né là. Qu'est-ce que ça veut dire en français? Madame, c'est Monsieur Trouteball! Kemel Beberg, ouais, Kemel. Montagne. Ça veut dire le chemin de la montagne de l'Kemel. Elle est blanc, je l'ai attrapé. Je roulais une fois. J'ai entendu un petit boum. Boum boum. Ouais, je trouvais ça. C'est l'OVNI. C'est un OVNI. C'est un OVNI parce qu'il brûlait et puis il ne brûlait plus. Ouais. Merci monsieur Trouteball. De rien, c'est ce qu'on voulait, madame. C'est-à-dire que moi, je lui ai raconté ça, en fait, hier soir, je me balais dans le coin comme tous les soirs. Je repensais avec ma voiture. Ah mais salut Norbert. Ah, c'est mon pote Norbert lui aussi, il est témoin de l'incident. Ah ouais, alors on était tous les deux, on sortait de la taverne en fait. La taverne à Jupiter. Et Jupiter. Monsieur Kemelberg, bonsoir, est-ce que vous pouvez témoigner de ce que vous avez rencontré dans le bois de la hutte? J'ai vu deux jeunes hommes se balader, puis après j'ai vu deux soucoupes volantes arriver dessus, et puis elles ont englouti les deux jeunes hommes. Voilà. Et qu'est-ce qu'on voit dans le ciel à Avni? Qu'est-ce qu'on voit dans le ciel? Avni. Alors, où est-ce qu'il se pose, l'OVNI? Ici même, madame. Ici même. Ah, devant le... sous le coq. Ah, il était plus là ce matin. Sous le coq. Mais c'est de nuit, il était là. Ah. Alors du coup, on s'est demandé, on a cherché un peu, on a fait une recherche quand même, on en merde. Bon donc. Attends, je bouche. C'est intéressant, c'est le Blair Witch Project. Vas-y. Et tu Blair. Oh, tu Blair. Ah, ils sont bons, mon choix. Ils blairent pas. Bon donc on est là pour enquêter sur la vue d'extraterrestres au niveau de la campagne, hein. Ouais. Donc il paraît qu'il y a un paysan qui a vu un truc super sympa. Oh, il y a un truc derrière là, là c'est quoi? Ah vite, on court. Il n'y en va pas. Oh non, on est parti. Il a pris que... Il a pris que... Et oui,
Wish pour Wish Lorraine. Ah. Voilà. Ça sent la Wish. C'est top. Et on parlait du pique-nique là, non? Ah, ouais. À propos de pique-nique. Quenelle de brochet. Le pique-nique. Ça vient d'enfiler une baguette. Quoi. Ah ouais. Ah, c'était Jim qui a tout mangé, je sais pas. Non, bah, il a pas forcément mangé. On se sépare pas les mecs, hein. On se... Putain, vous êtes encore là? Qu'est-ce qui se passe? Putain, c'est quoi ça? La chaise! La chaise! C'est sympa de faire des rallyes dans la forêt comme ça. Ah, c'est une belle forêt, hein. Ça c'est certain. Ah, ouais. Oh, puis on peut se promener, c'est cool. Ouais. Je suis ton géniteur. Cinéma le Paris, demain je serai parti. La gare Dakar Bamako, mon petit, y'a pas de problème, tout va bien. Aujourd'hui je me marie, j'ai confiance. Amour solo, Gao, l'Algérie, Tunisie, Italie, y'a pas de problème. J'aime au Manhattan, fast food, Dakar, Sénégal, cinéma le Paris, ascenseur pour le ghetto. Il est minuit à Tokyo, il est 5h au Mali, quelle heure est-il? Au paradis, il est minuit à Tokyo, il est 5h au Mali. Bien Kairé, moi ici, toi là-bas. Le visa au consulat numéro 39. Y attend. À l'état civil, déjà l'an 2000, déjà 2000 ans. Au Manhattan, fast food, Dakar, Sénégal, cinéma le Paris. Cinéma le Paris. Il est minuit.